J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtobre numéro 6. J'ai passé une toute petite nuit. Jelly a été malade toute la nuit. En fait, ça fait 2 jours qu'elle faisait des petits pipis partout dans la maison. Ce qui n'est pas à son habitude puisque Jelly est un chien propre. Et donc j'ai tout de suite suspecté une cystite en me disant que bah, ça devait être ça parce que c'était pas normal. Surtout qu'on a changé son alimentation pour vraiment une alimentation vraiment axée pour les reins. D'ailleurs, je vous l'ai montré ce matin mais je vais vous remontrer. En fait, on a acheté les Kidney Care là de chez Hills, donc c'est ce que la clinique vétérinaire nous a recommandé pour les reins du coup puisqu'elle en a plus qu'un, et on a pris sous format de pâté parce que sinon j'avais peur que ça lui change trop de ses dog chefs et tout, donc là elle kiffait bien. Mais cette nuit vers 5h du matin elle s'est réveillée, elle est sortie de la chambre et elle a descendu les escaliers, donc j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc qui allait pas, donc je l'ai suivie et en fait je me suis rendu compte qu'elle avait pareil fait plein de pipi dans la maison mais il y avait du sang dans certaines de ses urines, donc du coup j'ai pris des photos. Ce matin Henri a amené Jelly chez le vétérinaire, là il est en train de rentrer, il a laissé Jelly là-bas qui a bien confirmé que c'était du coup une cystite, mais il faut qu'on lui fasse des prélèvements pour savoir quel traitement lui donner, sachant que comme c'est un chien qui n'a plus qu'un rein, on peut pas lui donner n'importe quoi, et par exemple on ne peut plus donner d'anti-inflammatoire à Jelly avec son rein qui ne va jamais réussir à les éliminer correctement. Donc normalement c'est comme ça que ça se traite, mais là en l'occurrence c'est pas possible, donc il faut savoir quel type d'antibiotique lui donner, donc il faut qu'il fasse des prélèvements, donc il la garde là, je pense jusqu'en milieu d'après-midi pour lui faire des tests, pour faire le prélèvement eux-mêmes, parce que bah là c'était trop galère. Du coup je pense qu'on en saura un peu plus, moi je vais aller la chercher du coup dans l'après-midi, je pense qu'on en saura plus à ce moment-là. Mais ça fait chier parce que ça allait bien, et puis bah... C'est un peu comme tout, voilà. J'ai l'impression qu'en fait vous entendez parler de Jelly que quand ça va pas, mais c'est juste que quand ça va bien, voilà, il n'y a pas de raison, tout va bien, mais c'est vrai que j'espère que ça va aller, c'est pris à temps, donc normalement ça devrait aller, mais je vous tiendrai au courant, évidemment. Alors ça, je m'y attendais pas. Elle est jamais montée là. C'est la première fois qu'elle monte dans ce coffre. Nova ? T'as envie de fermer le coffre ? T'as envie de fermer le coffre ? T'es vraiment un monstre, la pauvre. Elle est bien en plus là. Bah ouais, elle a l'air toute bien, elle est en train de se faire sa petite toilette là. Nova, ça va, t'es bien? Putain, t'as l'air posée. Ça va ou quoi? Non mais... Bon bah, je pense que là, à mon avis, on va... Elle a trouvé son nouveau spot en rien. Là, c'est dead, hein. À peine eu le temps de rentrer de la salle que je viens de recevoir un appel du coup du vétérinaire pour aller chercher Jelly. Ils ont réussi à lui prélever ses petites urines pour du coup directement faire les tests pour savoir quel type d'antibiotique lui donner. Donc bon là j'étais en train de bosser mais je vais directement partir pour aller la récupérer parce que j'aime pas la savoir chez le vétérinaire toute seule, ça me rend triste, donc j'y vais. Quelle heure il est? Putain, il est déjà 16h, cette journée passe à une vitesse, c'est terrifiant. C'est toujours comme ça quand on a beaucoup de choses à faire et qu'il y a des choses pas prévues, t'as l'impression qu'en fait toute ta to-do list est flinguée. Venez avec moi, on va la récupérer. Oh là là, la tête. Je ne ferai pas de commentaires sur ma tenue. Mi sport, mi passeport, j'ai aucun commentaire. Aucun commentaire. Les gars, je suis trop une boulette. Ça fait 20 minutes que je cherche mon sac à main dans lequel il y a mes clés de voiture. Et j'ai oublié mon sac à main dans la voiture d'Henri qui est parti au foot et qui rentre pas avant 19h30. Donc je ne peux pas aller chercher Jelly. Je ne peux pas aller la chercher. J'ai trop les boules. C'est Henri qui va devoir aller la chercher ce soir après le foot. Ça me fait trop chier. C'est pas la journée. C'est pas la journée. Donc bon bah du coup je vais aller faire mon cardio. Voilà, je... Putain, j'ai trop les boules. J'aime pas quand ça se passe comme ça, ça m'énerve. C'est un bordel ici parce qu'on est encore en train d'attendre de trouver des dates avec les ouvriers pour qu'ils viennent poser le reste du parquet dans le reste de la cave. Et du coup, ça fait déjà quelques mois quand même qu'on est comme ça dans ce moment un petit peu de stand-by où il faut qu'on continue les travaux du bas. Et ce qui s'est passé, c'est que pour que le plancher soit posé, il a fallu qu'on débarrasse tout l'atelier de Henri. Et du coup, en faisant ça, bah évidemment, ça a foutu le bordel dans la cave. Et ce tapis, pareil, il devrait pas rester là. Normalement, il va bouger, on va le changer de place. Donc là, s'il vous plaît, voilà, ne pas de commentaires sur l'état de la cave, c'est catastrophique. Je vais faire mon petit cardio, 45 minutes à 6 km/h.
Voilà. Je fais pas de course contrairement à 70% du YouTube game ou de tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'en fait c'est grave la mode de courir depuis quelques temps. Là je vois ça de partout, genre la course, les marathons, les semi-marathons. Franchement je suis admirative. Moi je veux juste vous mettre un petit warning sur la course après. C'est un warning personnel. Je dis ce que j'en pense, maintenant vous faites comme vous voulez, vous prenez pas. Mais la course, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les genoux, les jambes et la physionomie pour faire du marathon, pour faire de la course à pied, de manière générale. Voilà. Et il y a d'autres manières de travailler son cardio que de courir. Vous pouvez faire du vélo, de l'elliptique, de la marche en côte, de la marche rien que ça à une allure soutenue. Ne faites pas de la course à pied parce que vous voyez vos influenceuses, vos influenceurs préférés se mettre à la course à pied parce que c'est un peu trendy. Faites attention, il y a des choses qui sont pas faites pour tout le monde. Moi, j'ai fait de la course pendant un temps, j'ai même fait des trails avec mon père et je me suis flingué les genoux. Voilà, je me suis flingué les genoux, d'ailleurs je pense que je vous en avais parlé dans des vlogs. J'ai réalisé que j'avais un syndrome de l'essuie-glace sur les deux genoux et même encore aujourd'hui, j'ai des fragilités alors que j'ai fait 2 ans de kiné. Franchement, faites attention à vos articulations. La course est un sport d'impact et si vous n'avez pas des articulations en bonne santé, solides, bien entretenues et bien entraînées, vous pouvez vous faire très mal et ça sur le long terme. Donc ce serait con de vous niquer quelque chose pour plus tard. Pensez à vous à 60, 70, 80 ans. Moi, quand je fais du sport, je pense à moi à ces âges-là. Parce que je me dis toujours que j'entraîne mon corps aujourd'hui pour dans 30, 40 ans, je serai contente. Et donc, quand vous me demandez quel type de cardio je fais, quand je fais pas de sport, quand j'ai aucune séance de sport pendant ma journée, je fais du tapis incliné, donc de la marche inclinée rapide à 6 km, 6 km 5. Et quand j'ai fait sport juste avant, je fais 6 km 5 mais à plat. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pendant 45 minutes. C'est du cardio à intensité modérée et ça suffit largement pour mes objectifs. Donc voilà, c'était mon petit laïus parce que j'ai eu cette discussion avec pas mal de gens autour de moi ces derniers temps. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, mais moi je veux vraiment mettre des warnings sur ce qu'on peut voir sur les réseaux parce que des fois ça donne envie de faire des trucs qui sont au final pas bons pour soi-même. Donc faut faire attention à ce qu'on voit les gars. Et comme on est dimanche, je vais en profiter de faire mon cardio pour faire un post Instagram là que je voulais faire. J'aime bien reprendre les dumps, vous savez, quand chaque dimanche je poste tout un dump des photos de ma semaine. Et j'ai un peu perdu l'habitude de le faire ces derniers temps parce que le dimanche en fait, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ma journée presque la plus chargée. Donc je vais faire ça maintenant. I was lost, I was lost without any direction. Had a line so many times, but I... Salle de bain, c'est un bordel. Je vais rapidement faire ma routine cheveux pendant que je range un peu parce que là, c'est cata. C'est marrant comme le dimanche, c'est vraiment le jour où chaque personne de cette planète décide que c'est le jour du bien-être, du temps pour soi, de sa full routine. Genre pourquoi c'est pas un lundi, genre. Pendant que le masque pose, je voulais justement vous parler vite fait du dermaplaning avant de passer à ma routine de tout à l'heure, qui est ma routine du soir où je fais vraiment la totale, que je vais vous montrer parce que c'est pas la même que d'habitude. J'ai incorporé un nouveau produit, le Derma Planning. J'ai eu envie de recommencer à en faire au moment où, comme je vous en ai parlé aussi dans le vlog d'hier, j'ai revu ma peau dans les traîtres. Et non pas que ma peau est un problème, mais clairement en fait j'ai vu que j'avais énormément de petits duvets, notamment ici, bah en fait parce que je suis blonde de base et j'ai pas mal de petits duvets ici. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais c'est quelque chose qui se voit beaucoup, je trouve, quand on est maquillée et quand on est filmée. Je suis pas une experte du dermaplaning, j'ai regardé plusieurs vidéos pour ça et j'ai fait la technique que j'ai vue sur la chaîne de Marion Caméléon et que je trouve parfaite. Je l'ai fait la dernière fois, j'ai eu aucun problème, pas de repousse de poils drus, pas de repousse de poils plus foncés, pas de rougeur, pas d'imperfection, donc je pense que c'est la bonne routine. Donc je viens de désinfecter mon visage et là j'utilise du gel d'aloe vera. Et sans attendre que ça sèche, je vais tout simplement... Hop. Donc là évidemment il va pas y en avoir énormément parce que je l'ai fait dimanche dernier. C'est une autre manière aussi de s'exfolier la peau, on va pas se mentir. Quand on se maquille, je trouve que le rendu est hyper beau. Ça vous fait vraiment l'effet glass skin quoi, et j'adore. Donc je me suis tout simplement dit que j'allais l'intégrer à ma routine toutes les semaines, tous les dimanches, comme de toute façon je fais toute ma routine skincare.
Faut aller doucement évidemment. Les petits poils. Et je trouve que ça fait vraiment vraiment la différence. Après voilà, vous faites comme vous voulez. Après c'est comme tout, il y a des gens qui disent qu'il faut pas le faire, il y a des gens qui disent qu'il faut le faire. À un moment donné, faites ce que vous voulez. En fait, par du principe que vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grandes personnes. J'aime les résultats et je suis une adulte responsable, donc je le fais en mon âme et conscience. Je le fais aussi ici au niveau de ma mâchoire. Et du coup, parce que c'est vraiment là où j'ai le plus de duvet et où ça se voit avec le make-up. Je vous mettrai le lien de la vidéo de Marion dans ma barre d'infos si jamais vous avez envie de voir comment elle fait. Moi je trouvais que c'était le tuto le mieux expliqué, le plus efficace, donc je vais pas vous refaire toute sa vidéo que je trouve hyper intéressante, je vous la mettrai en barre d'infos, je vous invite à aller la regarder, elle est très bien faite. Je reste pas comme ça, je suis sous la douche, je fais le reste pour mes cheveux et je vous retrouve après pour toute ma routine pour visage. Et une fois que tout ça c'est fait et que ma peau est super propre, exfoliée et nickel, je vais passer du coup à la partie soins. Et cette partie vlog est en collaboration avec Aromazone et je suis trop contente parce que je suis utilisatrice de leurs produits depuis très longtemps, donc ça me fait hyper plaisir de collaborer avec eux pour ce vlog. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que Aromazone c'est une marque française à Avignon dans le sud de la France, donc c'est peut-être près de chez vous. Les formules de leurs produits, elles sont courtes, hyper efficaces, parce que chaque ingrédient a une utilité bien spécifique. Ils proposent plein de solutions adaptées à tout le monde, et ça à des prix très justes. Et en tout, ils ont plus de 2000 références dans plein d'univers différents, que ce soit la maison, la skincare, les cheveux, etc., etc. Par exemple, en termes de sérum, pour les personnes qui cherchent des sérums pour avoir une peau parfaite, sans imperfection, vous avez deux types de sérums, celui au niacinamide. Lui, il est parfait parce qu'il régule la sécrétion de sébum, il va resserrer les pores, il va prévenir la formation des boutons, atténuer les rougeurs et les taches, etc. Ou alors celui-là, donc qui est le sérum d'acide azélaïque. Lui, il va prévenir donc tout ce qui va être comédon, points noirs et les purifiants, antibactériens, et c'est surtout vraiment parfait pour les gens qui ont de l'acné. Pour les sérums Aromazone, en fait, vous ne pouvez pas tous les utiliser ensemble. Le seul que vous pouvez utiliser avec tous les autres, c'est celui à l'acide hyaluronique. Mais là, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur ceux avec des actifs vraiment pour traiter certaines problématiques. Là, je vais vous parler de deux de mes chouchous. Là, c'est si vous avez envie d'avoir plus un côté éclat de la peau, anti-tâche. Celui dont je vous ai parlé hier, je crois, ou dans le vlog d'avant-hier, c'est le sérum à la vitamine C. Alors celui-là, il est vraiment parfait parce qu'il va booster la synthèse de collagène. Il va protéger des radicaux libres, il est vraiment top, il va vous rendre la peau plus lisse, plus ferme, plus éclatante, bref, la vitamine C, c'est vraiment pour moi une pépite. Ça par exemple, j'ai tendance à l'utiliser le matin, et le soir, je vais utiliser le deuxième, qui est lui l'acide glycolique, donc qui va éliminer les cellules mortes, atténuer toutes les taches, lisser les irrégularités, qui va lutter aussi contre les points noirs. Ça c'est celui que j'aurais eu tendance à utiliser ce soir, mais comme je viens moi-même d'exfolier ma peau avec le dermaplaning, je vais utiliser pour moi un booster tout en un qui va dans toutes les situations. Je vais utiliser le sérum collagène vegan. Alors celui-là, il est vraiment parfait pour fermeté, élasticité de la peau. Donc je vais utiliser une pipette et je vais venir l'appliquer vraiment de partout, y compris sur le cou, avant d'appliquer par la suite ma crème pour le soir. Vous pouvez même vous faire des petits massages du visage si vous en avez envie pour stimuler le système lymphatique. Alors ça, c'est gratos. Comme Aromazone collabore avec cette partie du vlog, j'ai un code promo pour vous qui est le code ENJOY24 qui vous offre la livraison en France, Belgique, Allemagne, Luxembourg. Je vous liste tout ça dans la barre d'infos. Le code est valable 2 semaines à partir du moment où je poste cette vidéo, donc jusqu'au 21 octobre. Je vous laisse le lien du site Aromazone ainsi que les produits que je vous ai cités et que j'utilise en barre d'infos en plus si jamais vous avez envie d'avoir des informations complémentaires. Donc là, je pense qu'on se rend compte de ma peau. Alors ce côté-là est un peu moins bien, j'ai quelques taches ici. Je vous ai déjà parlé du laser, tout ça. On va pas en reparler encore aujourd'hui tant que je me suis pas lancée, mais je pense qu'on voit bien du coup le glow de la peau, l'état de la peau de manière générale, et je suis vraiment satisfaite d'en être arrivée là après toutes ces années de lutte. Il y a encore 2-3 petites choses à améliorer évidemment, mais franchement, trêve de bavardage, je vais passer à mes cheveux. Là, je suis en train de remplir mon bilan pour ma coach. Cette semaine a été un peu chaotique avec tous les tournages et la semaine où j'étais pas chez moi. C'est franchement pas évident de maintenir sa diète et son activité physique quand on est en tournage.
Et j'avoue que des fois, c'est ça qui me manque un peu, c'est ce côté... ouais, c'est ce côté routine qui me manque et que j'aimerais bien retrouver parfois, voilà. Et le pire, c'est que je fais ça en buvant une Corona. Mais attention, c'est une Corona zéro. J'adore la Corona zéro. Enfin, en fait, j'aime la Corona de manière générale. Mais du coup, je bois pas de l'alcool tous les jours. J'essaye de pas boire d'alcool tous les jours parce que sinon, franchement, je pourrais, vu que en fait, j'ai toujours une occasion de boire. C'est assez triste, mais c'est la vraie réalité des choses. Hein. Que ce soit avec mon métier, que ce soit à la maison, que ce soit avec Henri, avec des potes et tout. En vrai, j'ai toujours une occasion de boire, donc j'essaye de pas boire tous les jours. Par contre, la Corona zéro. En fait, ce qui est dur à expliquer, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que juste je bois de l'alcool pour boire de l'alcool. Mais pas du tout. En fait, il faut comprendre que moi, j'aime particulièrement le goût. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont prendre plaisir à boire genre un coca ou un sirop ou genre, je sais pas, un milkshake. Moi, j'aime le goût de la bière, par exemple. Particulièrement la bière. Je sais pas pourquoi, mais vraiment particulièrement la bière. J'ai toujours aimé le goût de tous les types de bières. Les bières classiques, les bières artisanales. J'aime ça. Donc comment on fait? Comment on fait quand t'aimes le goût mais que tu veux pas forcément l'effet? Eh ben, t'achètes de la zéro. Et ça, c'est une bénédiction des dieux. Bref, si ma coach me voyait, elle serait en train de rire. Mais du coup, je suis en train de remplir mon bilan pour la semaine. Je fais ça tous les dimanches. Et du coup, ça me permet aussi de prendre un peu de recul et de voir comment ça s'est passé, de voir les jours bien, les jours moins bien. Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait des jours bien? Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait des jours moins bien? Et c'est hyper intéressant, en vrai. Voilà, je rentre mes heures de sommeil, le nombre de pas que j'ai fait, l'alcool que j'ai bu éventuellement. Et franchement, c'est vraiment pratique, ça aide à faire le point. Alors, tout ce que tu veux, c'est bouffer, en fait. Tiens, regarde. C'était déjà prêt. Regarde. Assis. Attends. Ouais. Assis. Jelly. Assieds-toi. Bon, vas-y, tu me fais de la peine. C'est génial de cuisiner en elbow. Catastrophe. On vient de tomber sur un nouveau show sur Netflix. Et là, vraiment, vous m'avez perdu. Je suis restée coincée devant Netflix toute la soirée avec Henri qui est actuellement à l'état de larve. Je vais vous épargner. Regardez Nova qui a retrouvé sa place. Donc là, je pense que c'est mort. Sachez que de tout l'hiver, à mon avis, elle va squatter le coffre. J'arrête le vlog maintenant parce que j'ai encore un peu de montage à faire et que j'aimerais bien me coucher pas trop tard pour essayer de rattraper les petites nuits de sommeil que j'ai eues ces deux derniers jours. J'espère que ce vlog vous a plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, insérez le mot tapis et bon courage parce que c'est pas facile à insérer dans un commentaire. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à demain dans un nouveau vlogtobre. Ciao.